Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Présenté par Sofiane Saoui. Sofiane, bonsoir. Mamadou Djebbour, bonsoir, bonsoir à tous. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a installé aujourd'hui la commission nationale de révision des codes de la commune de Wilaya, conformément à ses engagements. La commission qui entame immédiatement ses missions est présidée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Dahoul Trablia. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre Nadel Arbaoui en examen, entre autres, l'avant-projet de loi de finances 2025. L'Algérie déplore l'inaction du Conseil de sécurité face aux agressions sionistes contre la Palestine et le Liban. Dans son intervention au Conseil de sécurité réuni en urgence aujourd'hui, l'ambassadeur Amar Benjamin a appelé à imposer un cessez-le-feu immédiat. Le représentant de l'Algérie au Conseil des droits de l'homme à Genève a lui aussi interpellé la communauté internationale sur les exactions sionistes. L'Iran affirme ne pas vouloir d'une guerre, mais répondra à toute agression de l'entité sioniste. Cette dernière accuse des pertes dans ses rangs au sud Liban. Les pays de l'OPEP+ ont décidé de maintenir les niveaux de production actuels et le suivi de la situation du marché pétrolier dans cette conjoncture mondiale tendue. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a participé aujourd'hui à la réunion ministérielle. La sous-traitance industrielle dans le domaine minier impérative au développement du secteur. Les opérateurs sont nombreux au salon national qui lui est dédié. Le FIBDA a ouvert ses portes au grand public ce mercredi. Les amateurs de bande dessinée contents ont découvert notamment la bande dessinée algérienne. Et puis Sport Football, vous le suivez depuis 16h, cette mise à jour du calendrier de Ligue 1. Zéro partout entre le CSC et l'Espérance de Mostaganem, l'US Khanchla et CR Belouzdad. Zéro partout, un match qui débute à l'instant entre l'USM Alger et l'US Biskra. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition en concrétisation de ses engagements durant la campagne électorale. Et lors de sa prestation de serment, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a installé aujourd'hui la Commission nationale de révision des codes de la commune et de la wilaya. Dahoul Trablia, l'ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, la préside. Abdallah Mounji, le secrétaire général de la présidence de la République, est vice-président. Une commission précise le communiqué de la présidence de la République qui compte 5 membres du Conseil de la Nation, 5 de l'Assemblée populaire nationale, 5 walis, 5 présidents d'APEI, 5 présidents d'Assemblée populaire communale, mais aussi 5 directeurs techniques de Wilaya. La Commission nationale de révision des codes communaux et de Wilaya entame immédiatement sa mission. Le gouvernement réuni aujourd'hui par le Premier ministre Nadel Arbaoui en examen plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour, à commencer par l'avant-projet de loi de finances 2025. Linda Bouadma. Le très attendu avant-projet de loi de finances 2025 examiné aujourd'hui en réunion du gouvernement. Il sera ensuite, comme le veut la tradition, soumis au Conseil des ministres avant de passer devant le Parlement. L'autre dossier examiné, celui de l'indemnisation des victimes des intempéries et la situation sanitaire dans certaines wilayas du Sud, un exposé a été entendu sur la situation et sur les dispositions prises par les autorités pour prévenir contre la propagation de certaines maladies transmissibles, ainsi que sur le suivi des recommandations du chef de l'État pour renforcer la capacité des infrastructures sanitaires en assurant la disponibilité des vaccins et des médicaments tout en respectant des protocoles scientifiques, ce qui a permis le recul de la propagation de ces maladies. Le gouvernement a aussi examiné le dossier de campagne Labour Semaille 2024-2025 lancé ce 1er octobre. Enfin, il a été question d'examiner les moyens de relance du projet du barrage vert. Au deuxième jour de sa visite officielle en Italie, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengleha, s'est longuement entretenu aujourd'hui avec son homologue italien, l'amiral Giuseppe Cavo Dragone, chef d'état-major italien de la défense. En discussion, les questions de coopération militaire entre les deux pays, mais aussi les dossiers internationaux et régionaux de l'heure. Le chef d'état-major de l'ANP qui a été reçu officiellement par son homologue au siège du ministère italien de la défense. L'Algérie s'est de nouveau exprimée aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU réuni d'urgence sur la situation au Moyen-Orient et l'escalade des violences sionistes dans la région. L'ambassadeur Amar Benjamin, dans son allocution, a insisté sur cette incapacité, inaction du Conseil de sécurité de l'ONU à faire taire les armes et cesser les actions militaires sionistes contre le Liban et la Palestine. Il a rappelé que seul l'arrêt de la guerre contre Gaza rétablira la paix dans la région. The Israeli militaries claimed more than 1,000 lives
Les autorités israéliennes sont responsables du décès d'un millier de personnes au Liban. Israël s'est aussi rendu responsable du déplacement d'un million de Libanais. Il s'agit du plus grand exode qu'a connu le Liban. L'inaction du Conseil a donné le feu vert à Israël à agir selon ses propres principes. Notre inaction a donné la carte blanche à Israël, lui permettant de poursuivre ses dévastations à Gaza, en Cisjordanie. Nous devons trouver des solutions concrètes, applicables. Nous devons éviter une escalade des tensions au Liban et nous devons éviter que ces tensions détournent notre attention de la tragédie à Gaza. Que certains sont devenus indifférents au sort des Palestiniens à Gaza. Tout effort visant à éviter une escalade des tensions dans la région doit commencer par la cessation des attaques meurtrières et brutales contre Gaza. Must begin with halting the brutal assault in Gaza. Et depuis le Conseil des droits de l'homme à Genève, l'Algérie s'est exprimée, affirmée que le retour de la sécurité et la stabilité au Proche-Orient dépendait de la nécessité de faire taire les armes et de la fin de l'occupation dans les territoires arabes occupés en tant que solution juste, pérenne et définitive au conflit arabo-israélien. C'est ce qui ressort de l'intervention du chef de la délégation algérienne et représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Rachid Beledhan, lors de la 57e session du Conseil. Ce comportement abominable qui fait fi de l'ensemble des usages et règles internationales met cette région dans un cycle de violence et de guerre et alerte d'une nouvelle catastrophe humanitaire. Devant cette situation, eh bien l'Algérie en appelle à la conscience de la communauté internationale et l'incite à agir rapidement pour garantir les droits fondamentaux du peuple palestinien et ce en imposant un embargo sur les armes à l'entité sioniste, tout en lui imposant des sanctions politiques et économiques pour respecter les décisions internationales et celles de la Cour de justice, à commencer par un cessez-le-feu immédiat, le déplacement forcé, la torture et l'apartheid. L'armée d'occupation sioniste qui a accusé de lourdes pertes aujourd'hui au sud Liban après une incursion et lors d'affrontements avec les membres du Hezbollah, 8 soldats ont été tués. Le bilan pourrait s'alourdir. Selon le porte-parole du Hezbollah au sud Liban, Afif Mohamed affirme que l'occupation veut faire de la région un deuxième Gaza. Il en parle à Nesrine Tahmoun. Toutes les constructions qui ont été détruites par l'armée d'occupation dans le sud du Liban sont des structures civiles qu'occupent des civils libanais. Ces constructions n'ont jamais abrité d'activités militaires. L'objectif de ces destructions reste donc de provoquer le même chaos qu'à Gaza et de créer un Gaza libanais. Mais nos forces sont toujours mobilisées et ont mené ce mercredi des opérations dans plusieurs localités qui ont causé de nombreuses pertes au sein de l'armée d'occupation. Je vous assure que la résistance va bien, que nous combattons ainsi, que notre commandement se porte bien. Nos capacités militaires de résistance vont bien, elles aussi. Et au lendemain de sa réponse aux agressions sionistes répétées contre l'Iran sur son propre sol, l'Iran affirme aujourd'hui ne pas vouloir d'une guerre, mais répondra à toutes les agressions de l'entité sioniste. Selon l'experte iranienne Azadeh Kian, le gouvernement iranien fait face à de nombreux défis d'ordre économique. Il ne veut pas tomber dans le piège tendu par Netanyahou et l'occupation sioniste, à savoir se lancer dans une guerre régionale. On l'écoute, une analyse recueilli par Nesrine Tahmoun. Il ne faut pas oublier que l'Iran est un État, ce n'est pas un groupe. Et le souci principal des dirigeants iraniens, c'est la levée des sanctions internationales contre leur pétrole. Le président iranien a annoncé que l'Iran avait besoin de 100 milliards de dollars d'investissement. Donc ils veulent attirer les investisseurs étrangers, etc. Aussi, il faut donner des concessions, ça ils le savent, sur le nucléaire. Donc c'est exactement ce que M. Pezeshkian a déclaré lorsqu'il s'est rendu à l'ONU récemment. Et donc c'est la raison pour laquelle il ne souhaitait pas, comme il l'avait dit, tomber dans le piège tendu par Netanyahou.
Netanyahou et l'armée d'occupation sioniste qui ont multiplié les attaques contre les Palestiniens de la bande de Gaza, notamment dans le nord de l'enclave. Des victimes parmi les déplacés palestiniens, notamment dans les espaces de refuge. Les pays de l'OPEP+, réunis au niveau ministériel avec la participation du ministre de l'énergie Mohamed Arkab, ont évalué aujourd'hui la situation du marché international dans ce contexte géopolitique tendu. Ils ont noté avec satisfaction le respect des quotes-parts de chacun des pays signataires les deux derniers mois. L'OPEP+, qui reste attentive à toute évolution du marché dans cette conjoncture particulière. Bardad Mendouch est expert en énergie, il en parle à l'Emborado. Il a été retenu au cours de cette réunion le maintien de cette réduction, contrairement à ce qui a été décidé précédemment, ce qui va dans le sens d'un maintien des prix actuels en dépit du 1 dollar sur le baril qui était de 72, il est de 73 aujourd'hui, dû à des conditions conjoncturelles, au conflit qu'il y a au Moyen-Orient, principalement Iran-Israël. Mais ce motif ou cette cause est purement conjoncturelle. Les raisons structurelles de la non-augmentation du prix du baril sont plus liées à la morosité de la croissance mondiale. Et le baril de pétrole qui s'échangeait à un peu plus de 75 dollars dans les échanges londoniens ce soir. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura, attendu demain dans les camps de réfugiés sahraouis pour rencontrer les autorités du pays, les autorités sahraouies, afin de faire avancer le processus de règlement politique avant le briefing qu'il devra présenter au Conseil de sécurité à la mi-octobre. Alors que le processus de résolution du conflit traîne encore, les sahraouis affichent un certain un pessimisme face à la traditionnelle inaction du Conseil de sécurité. On écoute Oumaima Abdeslam, l'ex-représentante du Front Polisario à Genève, responsable des camps de réfugiés. Elle est contactée par Liestel Rémy. Ça entre dans la soft diplomatie qui exerce les Nations Unies depuis 1991. Malheureusement, plus de 30 ans, ils ont amené à rien parce que le Maroc a bloqué le processus grâce à l'aide de pays puissants d'Occident comme l'Espagne, les États-Unis et la France. Monsieur de Mistura essaye de faire de son mieux, mais lui ne peut faire rien s'il n'y a pas un engagement sérieux de la part de membres du Conseil de sécurité. Monsieur de Mistura demain essaye de voir les partis pour renouvellement à la mission des Nations Unies sur le Sahara occidental. Mais nous, les Sahraouis, on n'a pas trop d'espoir dans ces processus de paix. Et plusieurs instances marocaines appellent le peuple marocain à une participation massive, à une mobilisation à la grande manifestation dimanche prochain. Une manifestation pour rompre la normalisation entre le Marzen et l'entité sioniste. Elle interviendra la veille du 7 octobre, soit une année après le début du génocide sioniste contre la bande de Gaza. Les éléments de l'armée nationale populaire qui ont mis en échec des tentatives d'introduction de plus de 5 quintaux de kif traité provenance des frontières avec le Maroc, annonce le ministère de la Défense nationale dans son bilan hebdomadaire. Dans une contribution publiée aujourd'hui intitulée « À propos du colonialisme et de l'anticolonialisme », le président du Conseil de la Nation, le Moudjahed Salah Goudjil, a affirmé que la narration assumée de l'histoire contemporaine et millénaire de l'Algérie représentait un rejet total de toute forme et symptôme de colonialisme. Elle constitue également un socle référentiel pour les générations actuelles et futures. Hanem Saïssi. Des éclaircissements qui se veulent une réponse au relais francophile. À cet égard, Salah Goudjil relève la voie du renouveau national entreprise depuis 2019 a permis au pays de consolider la pratique démocratique, d'enclencher une dynamique de développement et de diversification de l'économie nationale marquée par un redéploiement diplomatique proactif. Salah Goudjil précise par ailleurs que dénoncer le crime colonial sans cesse n'est pas dû à la rigueur envahissante des émotions. Il estime que la portée du combat anticolonial et la profondeur des sacrifices consentis sont un héritage symbolique d'une valeur inestimable, un devoir de mémoire. Il souligne par ailleurs que la condamnation des crimes du colonialisme sans relâche et garder les liens forts avec notre histoire millénaire n'empêchera pas l'Algérie de s'intégrer dans l'ère numérique et de s'engager souverainement sur la voie du développement multidimensionnel qu'elle connaît depuis son indépendance à ce jour. En ce sens, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a rendu hommage au président de la République
qui a approuvé l'officialisation du 8 mai comme journée nationale de la mémoire, ainsi que sa décision d'instituer le 4 août, journée nationale de l'armée nationale populaire. Et le 1er novembre prochain sera justement l'occasion d'une grande distribution de logements à travers le pays. Entre-temps, une opération de relogement, cette fois-ci de 1300 familles, est intervenue aujourd'hui, notamment dans la wilaya de Sétif. Il s'agit de 1300 familles. Les précisions du wali de Sétif, Mustapha Limam. ترحيل وإعادة إسكان قاطني حيش بغداد الفوضى هذه العملية دونك تدخل في إطار برنامج استدراج الجمهورية اللي حفنا كنا على القضاء على الأحياء القصديرية nous avons recensé 1300 familles qui vont bénéficier donc une partie في ولاد صبر et une partie في بدالي. Les citoyens, eux, soufflent et poussent justement une respiration heureux de ce relogement. واني فرحان بزاف كي عطاونا فرحان في الدار تاعنا جديده وانا اليوم فرحانين الحمد لله ربي كيسفدنا عنينا بزاف شوكداد احنا من السكان القدام تاع شوكداد والحمد لله ربي كيفرج علينا ربي نحيو الرئيس تاعنا تبو نحيو الوالي كيما وعدنا وفى بالوعد تاعو 35 سنه وانا تما الحمد لله عطاو لي افطروه فرج ربي والحمد لله الحمد لله اليوم رانا كيديروا عندي 40 سنه تما نشكر السلطات تاعنا نشكر الرئيس تاعنا والحمد لله. Parlons à présent d'industrie, de la sous-traitance précisément, sous-traitance industrielle. Les acteurs sont réunis au Salon National qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Parmi les priorités, le développement du secteur minier. L'Emboradoum s'est intéressé à cette question et au projet. Encourager la sous-traitance pour la réindustrialisation du pays est un impératif, mais également pour la réalisation des investissements stratégiques dans les projets et l'exploitation minière. Mohamed Benyazid, conseiller au niveau de la SONAREM. L'industrie minière, proprement dite, est une industrie hyper mécanisée. C'est des engins, c'est du matériel, c'est de la logistique. Ce volet-là a besoin d'être maintenu. Il faut qu'il assure une disponibilité maximale pour pouvoir le rentabiliser. Et pour cela, la sous-traitance est un des vecteurs et de soutien, surtout pour cet aspect-là. La valorisation de la sous-traitance est aussi importante, notamment pour accompagner les projets stratégiques. Il s'agit là des projets complémentaires dont la ligne minière Est et Ouest pour l'exportation. Ali Kessassi, directeur de matériel et d'attraction à la SNTF. Puisqu'il y a des grands projets qui sont en cours de réalisation, qui vont être mis en exploitation, je pense, en 2026, on aura à acquérir beaucoup de matériel roulant. Donc ça veut dire que ça nécessite plus d'entretien, ça nécessite plus de demandes de pièces, etc. La ligne minière Est et la ligne minière Ouest. La Ouest, c'est pour le transport du minerai de fer, de Rajbilet, vers Béchar et vers d'autres sites en Nord. La ligne minière Est pour la transformation du phosphate enrichi. En matière d'infrastructure ferroviaire, les deux projets sont lancés. Ils sont en cours de réalisation. Pour le moment 2026, on aura des lignes en exploitation. Il s'agit aussi de faire augmenter le taux d'intégration, renforcer la chaîne de valeur, puisque l'Algérie est engagée dans une dynamique de transformation industrielle visant à porter le taux d'intégration de son industrie à 40%. Un chiffre dans cette édition qui interpelle et qui nous rappelle la prudence sur nos routes, c'est 2082 morts et plus de 8800 blessés lors d'accidents de la circulation enregistrés les 8 premiers mois de cette année. Un chiffre avancé par le représentant de la gendarmerie nationale, le représentant du département de la sécurité routière, le commandant Jamel Galini. Il intervenait ce matin au forum du quotidien Chab. Place à la culture, à la BD précisément, et direction l'Esplanade de Riyad El Fateh, où le 16e FIBDA a ouvert ses portes au grand public aujourd'hui. Les Algériens attachés à la bande dessinée, notamment le personnage Mridesh, redécouvrent justement cet artiste et son auteur. Le public est heureux de ce rendez-vous annuel. Sidi Ali Fales. Si Mohamed Aram commence à dessiner en 1962, il fait ses débuts au Centre National du Cinéma et la Radio-Télévision Algérienne. Il participe à la création de Mridesh, puis crée la revue pour enfants Kenfield et Adlan. Amina Aram revient sur les travaux de Si Mohamed Aram. Aram était très passionné et il passait des nuits blanches à travailler comme si demain il a une commande. Ça n'arrêtait jamais. Il est très passionné. C'est son hobby number one. Donc il avait l'esprit d'être le super-héros Nahar. Mais avant Nahar, il y avait Flash.
Elan, Zombo. Ils ont été créés en 1953-54. La bande dessinée et surtout le dessin animé, 1963. Bande film 16 mm, La fête de l'arbre, Ah s'il savait lire, Les microbes des poubelles. C'était toujours transmettre des messages, c'est une morale de la société pour les enfants. C'est un merveilleux papa et un merveilleux artiste. Les amoureux du 9e art étaient nombreux pour apprécier cette fête de la bande dessinée. C'est excellent, je vois, parce qu'il y a les animes, des K-dramas et tout. La première fois que je suis venue, c'était en 2017. C'est la première fois pour moi. C'est un mangaka. Je suis là-bas. Le festival est très très bien et j'adore ça. Et j'espère que aller ça l'année prochaine aussi. Vous avez acheté pas mal de trucs. Ah oui, c'est Pikachu. En général, on vient ici pour le stand gaming ou là pour acheter des goodies. Ou là, c'est un endroit où, en général, on apprécie le côté geek de quelqu'un. Il y a même le stand des cosplays qu'on apprécie de voir de temps en temps. Et voilà, juste passer un bon moment entre amis. Venez nombreux à l'esplanade de Riyad Fedah pour découvrir les nouveautés de la bande dessinée algérienne et mondiale. Et le FIBDA, c'est jusqu'au 5 octobre prochain. Actualité sportive, vous le suivez depuis 16h sur nos ondes. Ces matchs de mise à jour du calendrier de Ligue 1. Que faut-il retenir pour l'heure, Sid Ahmed Fetahi? Bonsoir Sofiane, bonsoir à tous. Donc la mise à jour du championnat de cette première journée de la Ligue 1 qui avait débuté hier avec la victoire du Mouloudia à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie de 2-1. C'est poursuivi aujourd'hui avec deux rencontres, deux matchs nuls cet après-midi. Tout d'abord l'USM Khenchla accroché à domicile, ou plutôt qui a accroché également le Chaheb Eliadé de Belouizdad, 0-0. C'est le même score qui a caractérisé la fin de la rencontre entre le CS Constantine et le S Mostaganem. Pourtant le Mostaganem avait joué la moitié de la rencontre à 10 contre 11 et en ce moment même, le dernier match de mise à jour de cette première journée se joue entre l'USM Alger et l'US Biskra au stade Nelson Mandela de Baraki, 0-0 après 21 minutes de jeu. Un match à suivre bien évidemment sur nos ondes. C'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sidali Tobal et Selma Feghir. Le prochain rendez-vous de l'actualité, le flash de 20h. Entre-temps, voici la météo, c'est signé Kalimab.